à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette toute première édition d'Instant Chronique, rencontre avec des personnalités qui vous font découvrir leur milieu. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un journaliste et écrivain français. Son nom vous dit sans doute quelque chose puisqu'il a également été président du Paris Saint-Germain, Charles Villeneuve. Bonjour Charles Villeneuve. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous exercez plusieurs métiers, principalement le journalisme. Vous avez travaillé dans plusieurs grandes rédactions telles que TF1 ou encore Europe 1. Comment en êtes-vous arrivé là? Comment je suis devenu journaliste? Oui. Je sais pas, moi, dès l'âge de 12 ans, je pensais être reporter dans ma vie et je le suis devenu. Donc, dès l'âge de 12 ans aussi, je lisais beaucoup, j'avais une mère extrêmement engagée sur le plan des politiques du Proche et du Moyen-Orient. Elle était issue c'était une Arménienne d'Alep. Moi, je suis né au Liban, à Beyrouth. Mon père était un Français de Grèce. Vous savez que les Français d'Orient sont toujours extrêmement plus Français que les Français, si j'ose dire, puisque la France est un pays rêvé qu'on ne connaît pas, mais qui nous servait de point d'ancrage et surtout un personnage politique qui fascinait absolument tous les Français d'Orient. D'ailleurs, ils ont répondu à son appel en grande masse, on l'oublie. C'est le général de Gaulle, bien sûr. Donc on a été élevé dans cet état d'esprit, mais moi j'ai tendu mon esprit uniquement sur le reportage. C'est ce qui me plaisait le plus. Vous êtes journaliste, reporter en investigation. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût justement pour ce milieu? Non, c'était, si vous voulez, lorsque je suis venu en France vers l'âge de 16-17 ans, je me suis rendu compte aussi que les gens avaient d'autres préoccupations que, évidemment, tous ces Français qui vivent en Orient. On le voit actuellement avec un exode et une poursuite génocidaire à l'égard des chrétiens d'Orient, dont moi je fais partie, évidemment. Et c'est d'expliquer, de décrypter, de raconter. Moi, d'abord, je pense que la base de notre métier, c'est d'abord raconter. Raconter. Et raconter toujours à partir de personnages humains, de ceux qui font quelque chose, même parfois de manière peu visible, par rapport au grand public. En presse écrite, notamment. Et le décryptage conduit à l'investigation. Et je pense d'ailleurs que l'avenir des journalistes de presse écrite, c'est l'investigation. Donc, on le sait, les déplacements sont souvent effectués en terre hostile, dans des milieux périlleux. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur le terrain? Moi, écoutez, j'ai couvert pendant près de 15 ans de ma vie la plupart des conflits, soit du Proche-Orient, soit d'Afrique. Mais je suis chez moi, donc je n'étais pas dépaysé. Je me sentais chez moi, aussi bien en Afrique qu'au Proche et au Moyen-Orient. J'ai toujours vécu... À Beyrouth. Oui, je suis né à Beyrouth. J'ai été élevé en grande partie dans les pays arabes. J'ai été élevé avec eux. Et c'est pourquoi j'essaie d'expliquer aux gens, notamment dans l'émission des Grandes Voix d'Europe 1, que notamment chez les musulmans, la religion fait partie intégrante de leur identité. Donc, il faut faire attention quand on parle de la religion à des jeunes musulmans ou à des musulmans tout court. Parce que pour eux, ça fait partie de leur culture, de leur vie quotidienne. Et dès lors, il faut qu'on se rende compte que lorsqu'on touche, même avec un certain humour, que moi je refuse personnellement, je ne suis pas... satirique des journaux... Voilà, moi je pense que quand on s'amuse à toucher à un certain nombre de saints ou de prophètes, il faut faire très attention à la réaction. Et je comprends parfois la réaction, non pas celle qui consistait à aller assassiner, tuer, exécuter dans les conditions qu'on sait, les caricaturistes de Charlie Hebdo, mais que c'est très sensible. Et donc, il faut respecter cette sensibilité-là. Absolument. Vous avez créé une émission qui s'intitulait Le droit de savoir, oui. Donc qui était une émission d'investigation diffusée sur TF1. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour la mise en place de ce concept? Ce qui m'a inspiré, c'est de mettre les mains,
là où les autres n'osaient pas mettre les pieds. Créer quelque chose de nouveau, oui, faire découvrir de décrypter la société dans laquelle on vit, sa formidable hypocrisie aussi, de ceux qui détiennent une partie du pouvoir. Avec des réalités qu'on ne voit pas forcément. Avec des réalités qui n'apparaissent pas parce que les gens sont pris par leur vie quotidienne, leurs soucis, dans un monde extrêmement difficile, dans un monde géopolitiquement de plus en plus cruel. On le voit dans les rapports de force actuels. Et il y a un monde nouveau qui est en train d'apparaître sur le plan des rapports de force politique. Cette émission a pris fin en 2008. Pourquoi l'avez-vous arrêté? Parce que je suis parti, j'ai quitté TF1 et donc c'était une émission qui était fortement identifiée à moi et puis qui créait, si vous voulez, la nouvelle direction, la nouvelle présidence de la chaîne, n'aimait pas ce type d'émission. D'accord, donc la chaîne... Parce que ça comporte des ennuis, ça implique des ennuis, ça implique des protestations politiques, ça implique des protestations d'une certaine communauté comme la communauté chinoise quand on allait un peu fouiller dans l'aspect sanitaire de leur restaurant. On avait fait toute une enquête sur les restaurants chinois qui avaient provoqué pas mal de secousses. Donc quand vous aviez des gens comme Patrick Lé et Étienne Oujot, ils s'étaient fait aux secousses du droit de savoir. Donc ne cherchez pas à éliminer une émission qui n'a jamais été en dessous des 40% de part d'audience et qui a duré 18 ans. Vous avez réalisé de nombreux reportages, donc notamment, on l'a dit, sur le conflit israélo-palestinien. Pouvez-vous nous dire s'il y a une réelle différence entre ce qui est vécu sur le terrain et ce qui est diffusé à l'antenne? Non, il n'y a pas de véritable différence parce qu'il y a beaucoup de bons journalistes et de bons reporters, beaucoup prennent des risques. Et pour souvent au péril de leur vie. Et d'ailleurs, des fois, laissent leur régulièrement ces documents. Non, il n'y a pas une énorme différence. Il y a une différence parfois dans l'explication. Parce qu'il faut une culture assez générale. Un reporter de guerre ne doit pas simplement restituer la violence de la guerre. Il faut qu'il l'explique. Il faut qu'il montre évidemment tous les dégâts, notamment humains, que provoque le conflit. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il aille au-delà. Et donc qu'il connaisse les deux communautés, si tant est qu'il puisse passer d'une communauté à l'autre. Vous avez une vie professionnelle chargée, car vous êtes également écrivain. Pourquoi avoir publié plusieurs essais? Que vouliez-vous transmettre à travers L'explication sur, par exemple, le terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme connaît un âge tout à fait différent, fondamentalement différent de ce qu'il y a comme... Ces essais portent essentiellement sur le terrorisme? Non, pas seulement sur le terrorisme. Essentiellement. Sur la vie politique aussi, par exemple, de Pierre Bérégovoy, pourquoi il s'est suicidé, quels étaient les rapports de force qui l'ont conduit et les rapports humains à ce suicide, qui était vraiment un suicide, etc., etc. Ce qui me pousse toujours, si vous voulez parfois écrire, c'est difficile d'écrire, c'est d'essayer de raconter, d'abord toujours raconter, et en racontant, de rendre plus claires les choses pour les lecteurs éventuels, les auditeurs ou les téléspectateurs. Par exemple, dans le terrorisme, ce qui a commencé en 70, c'est-à-dire un terrorisme d'État, parce qu'il y a eu un conflit d'abord au sein même du mouvement palestinien et au sein même du monde arabe, ce qui a accepté de pouvoir négocier par l'intermédiaire d'un certain nombre de pays de négociateurs entre les Israéliens et les Palestiniens, entre Yasser Arafat et les autres. Yasser Arafat a accepté à partir de 1975, après la sautage des Jeux Olympiques de Munich, des athlètes israéliens, de laisser la Kalachnikov pour brandir plutôt la colombe de la paix. Un certain nombre de pays arabes l'ont refusé. L'Algérie, le Yémen du Sud, la Libye, l'Irak et la Syrie. C'était le front du refus. Et au sein même du mouvement palestinien, il y avait un front du refus. D'ailleurs, l'attentat de la rue des Rosiers dont on parle, c'est le produit même de ce front du refus. C'est-à-dire, on n'accepte pas ce que fait Yasser Arafat, on va punir la France parce que la France, c'est elle qui va tirer Arafat et les Palestiniens du guépier de Beyrouth, qui était encerclé par l'armée israélienne dans le cadre de l'opération Paix en Galilée. Et on va en même temps non seulement punir les Français, les autorités politiques françaises, mais on va montrer qu'Arafat est toujours un terroriste. Il y a toujours un coup double, vous savez. Donc, et aujourd'hui, le terrorisme n'a plus rien à voir avec ça. C'est une autre forme de terrorisme. Et justement, quel sentiment avez-vous
face à ce phénomène? Sentiment? Oui. Personnel? Le sentiment que les États-Unis pratiquent une politique du chaos, la technique du chaos. C'est eux qui ont, en faisant exploser le système irakien, qui était un système dictatorial, de toute façon, avec une dimension inhumaine, c'est vrai. Mais à partir de là, ils ont mis des responsables politiques chiites qui ont commencé à poursuivre, à brider, à brimer de manière totalement illégale et injuste la communauté sunnite. Ce qu'on rappelle, c'est une opposition entre les chiites et les sunnites. Notamment. Et en dissolvant le parti politique Baas et l'armée de Saddam Hussein, on a fourni à l'État islamique, l'armée de l'État islamique, tous les cadres, sous-officiers, officiers, tout le matériel aux djihadistes salafistes. Parlons à présent de votre passion pour le sport et plus particulièrement pour le football. Donc, vous avez succédé à Alain Kézak à la tête du PSG en 2008. Le club comptait alors à la 15e place. Comment l'avez-vous conduite dans le top 5 du championnat? Écoutez, moi, mon conseiller principal, celui qui m'a initié, si vous voulez, à autre chose que les simples techniques footballistiques, c'est Arsène Wenger. Arsène Wenger a construit un club d'Arsenal actuellement. Voilà, d'Arsenal. C'est un Français, ça fait 18 ans qu'il est à Arsenal. Il a fait d'Arsenal un des clubs les plus riches d'Europe. Il est plus Frenchy d'Angleterre. Et aujourd'hui, par exemple, vous prenez Lyon, le centre de formation de Lyon, la politique de Lyon, elle est due à Arsène Wenger. Ils sont allés au camp de Carnley, un domaine de 35 hectares, où il y a le centre de formation d'Arsenal, il y a une clinique pour les blessures courtes et les blessures longues, où il y a un camp d'entraînement très 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 complet avec une discipline de fer, un peu importé du Japon, puisqu'il a fait un passage au Japon. Et c'est cette politique-là qui fait qu'il n'a pas dépensé de l'argent outrageusement, qu'il a contenu la masse salariale, qui n'a jamais dépassé 35 à 40% du chiffre d'affaires. C'est ça le secret. Pas de gros transferts. Voilà, jamais. C'est ce qui fait que pendant 10 ans, il a été dans une pénurie de titres parce qu'il favorisait des jeunes. Voilà, il ne dépensait pas beaucoup d'argent. Il ne dépense toujours pas beaucoup d'argent, c'est pas dans sa nature. Pourquoi avoir démissionné en février 2009? Parce que je n'étais pas d'accord avec la conduite du conseil d'administration. C'était pour moi l'armée de Bourbaki. Il y avait 22 membres du conseil d'administration. Tout ce qu'on disait au conseil d'administration, le lendemain, se retrouvait dans la presse. C'est là que j'ai découvert une autre facette du journalisme. Absence totale de recoupement. Tout à fait prêt à être dans le jeu des manipulateurs, des agents. Le monde des agents est un monde extrêmement pénible à supporter parce que un monde de toute façon qui ne pense que à l'argent qu'ils pourront tirer de leurs joueurs qu'ils parrainent, c'est un côté, une dimension mafieuse dans cette affaire, et moi je ne supporte pas ça. Pourriez-vous être président du PSG si on vous le proposait à l'heure actuelle, avec tous les changements qu'il y a eu, toutes les modifications? Non. Vous n'avez plus la même vision du football? Si, non, mais j'ai toujours la même vision du football. Moi je ne change pas. Je ne change pas de casaque comme ça au fur et à mesure d'un passage dans un vestiaire. Je ne prends pas un maillot d'un autre club pour... Non, moi je suis un supporter de base depuis très longtemps du Paris Saint-Germain et aujourd'hui d'ailleurs, alors que j'ai droit à deux places dans la corbeille, fameuse corbeille, je paye ma place, je suis un abonné et je ne veux rien devoir à personne. Sinon à personne, parce qu'on doit toujours quelque chose à personne. Mais en tout cas, je veux rester indépendant pour pouvoir, en tant que journaliste, dire ce que je pense, notamment dans le cadre de l'émission que je fréquente assidûment, qui s'appelle Les Spécimens sur Canal+. J'ai la liberté de porter un jugement, puisque je ne suis pas, si vous voulez, susceptible d'accepter toutes les invitations et toutes les compromissions qui sont tentantes dans ce monde-là. Vous avez commencé votre carrière de journaliste en 1967. Qu'est-ce qui maintient votre envie d'exercer? Je sais pas, moi je pense que la retraite, je la prendrai le jour de ma mort, quoi. Mais parce que c'est un métier absolument fascinant et passionnant, c'est un métier où vous découvrez n'importe quel quidam qui vous arrête dans la rue vous apprend quelque chose, ne serait-ce que par les remarques qu'il peut vous faire. Souvent mes proches me disent, mais c'est pas possible, tu vas pas rester pendant 10 minutes avec un type qui t'arrête
au coin d'une rue, ou quand tu dînes dans un restaurant, etc. Ben si. Souvent les autres qui nous apportent... Oui, parce que quelqu'un, vous dites souvent, il met le point sur un trait de caractère, de commentaire, qui fait que vous pouvez améliorer de toute façon ce que vous apprenez parfois même dans la rue. Les discussions de bistrot, parfois, elles enseignent quelque chose. Elles ne sont pas toujours inutiles. Après 48 ans de carrière, votre point de vue sur la façon de traiter l'information a-t-elle évolué ? Ah oui, indéniablement. Aujourd'hui, la société... Les technologies ont changé fondamentalement notre métier. Il est bien évident que de plus en plus, le digital est en train de tuer le papier. Même si le papier, par exemple, je prends l'exemple d'un grand magazine allemand qui s'appelle Die Zeit, qui est dirigé par un de mes camarades, qui est un homme d'origine italienne, Di Lorenzo. Il en a fait un magazine non seulement qui est très intéressant à lire, mais surtout qui est rentable, avec des journalistes qui partent en reportage pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, et lorsqu'ils rendent leur copie, ils sont obligés non seulement de soigner leur écriture, mais soigner le fond. Et quand vous lisez l'un de leurs reportages, vous apprenez des choses. Et ça marche, si vous voulez. Le news, proprement dit, n'est plus l'apanage de la presse écrite. Le news, vous l'apprenez en permanence sur les applications, la radio, par le digital, des magazines qui ont une bonne organisation dans leur plateforme digitale. Vous l'apprenez sur les réseaux aussi, ça se discute. Parce qu'on souvent transformé. On dit tout, n'importe quoi, et parfois on lance des rumeurs qui sont dommageables, même pour les personnalités qui sont visées. Donc il faut faire très attention. La nécessité du recoupement est très importante aujourd'hui. C'est l'un des piliers absolus de notre métier. On l'a vu dernièrement avec la mort subliminale de Martin Bouygues, qui pour la première fois a assisté à sa propre mort, commentée sur les télévisions. Et personne ne l'avait appelé. Personne. Il est vrai qu'il ouvre rarement son portable. Et bon... C'est étrange, mais bon, ça arrive, et ça, il faut en tirer des leçons. Quelle a été votre plus belle expérience ? La plus belle, il y en a plusieurs, mais... Ou plusieurs belles expériences. Couvrir le combat Mohamed Ali Forman à Kinshasa. On m'avait envoyé là-bas, non pas pour le combat proprement dit, de boxe, mais pour... j'avais inventé un slogan, au contact d'ailleurs de Mohamed Ali, qui était « C'est le premier combat entre deux Noirs, organisé par des Noirs, sur une terre noire. » Et le choc, si vous voulez, de quasiment de civilisation entre ces Blacks américains et ces Blacks africains était... fantastique. Et l'intelligence de Mohamed Ali était exceptionnelle. C'était un grand champion. Ça, c'est une expérience. En plus, Forman a été blessé. Le combat a été repoussé d'un mois. La rédaction d'Europe 1 et le patron m'a appelé en disant « Reste, fais-nous des reportages de fond sur l'évolution de l'Afrique, etc. » C'est là que j'ai pris goût à l'Afrique et j'y suis retourné beaucoup puisque j'ai couvert beaucoup de conflits, de Colvézi en passant par d'autres conflits. Et puis aussi l'expérience, le retour dans ma ville natale dans le cadre des conflits israélo-arabes, israélo-palestiniens. Pour terminer, une question un petit peu plus légère, quel conseil donneriez-vous à un étudiant en journalisme ? De se doter d'une culture générale importante. Très importante. Et surtout d'avoir le souci permanent de recouper ces informations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site www.instantchronique.wordpress.com ou encore sur la page Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition d'Instant Chronique.